bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du tout dernier jeu, du tout dernier oracle de Gabriel Leroy, les glyphes de Féor. Donc, c'est une boîte tout en hauteur, vous voyez, et qui s'ouvre donc comme ceci. C'est une belle boîte en dur, voilà, qui est décorée sur tous les côtés. Et qui est aussi décorée ici, de tous les côtés. Donc vous voyez, déjà rien que la boîte, c'est déjà un objet fantastique. Alors, on va aller voir ce qui est écrit. À la fois oracle et objet poétique, mélange d'onirisme et de symbolisme, les glyphes de Féor composeront pour vous des messages sibyllins, des métaphores qui, selon vos pratiques, pourront vous guider, vous conseiller, prédire ou simplement vous inspirer. Chacune de ces cartes est une escapade inattendue à la lisière du merveilleux, une échappée sur les traces de la fée Féor qui, jadis, dissémina ses secrets dans la nature et dans le rêve. Alors moi, les jeux de Gabriel, je les adore parce que c'est un véritable artiste complet. Il fait à la fois les illustrations et à la fois les textes. C'est un véritable poète et ses illustrations sont magnifiques. Regardez-moi ce pan. S'il n'est pas majestueux, sublime et tout ce que vous voulez. Et les cartes nous plongent directement dans un univers onirique, dans un univers féerique aussi. Il est très attaché à l'univers des fées. Et quasiment tous ces jeux, même tous ces jeux, sont vraiment rattachés à l'univers des fées. Et donc, ça me plaît beaucoup. Et celui-ci, il est vraiment aussi très nature quelque part. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on a un petit livret qui a été réalisé, imprimé par Gabriel lui-même. Parce qu'il il explique que l'imprimeur n'avait pas ce format de livret. Et donc, c'est pas étonnant puisque vous voyez que les cartes, elles ont plutôt un format signé. Un format de carte oracle. C'est pas du tout gênant comme format parce que on profite quand même bien de l'illustration, je trouve, et le texte est quand même très lisible. Alors on va découvrir ensemble le contenu du petit livret. On a donc d'abord une introduction avec la découverte de la création de cet oracle. Donc Gabriel nous raconte comment il a créer cet oracle et puis il nous en parle en fait. Voilà, il nous parle de son oracle. Ensuite, il nous explique comment utiliser le jeu et on peut l'utiliser comme un sibyllin. Donc, on peut l'utiliser en utilisant 5 cartes pour avoir un message qui va donc être partagé entre les différentes cartes. Donc je vais en mettre 5 et vous allez donc comprendre. Et donc pour avoir le message complet, on va avoir, on prend la première ligne de la première carte, on prend la deuxième de la deuxième carte, on prend la troisième de la troisième carte, on prend la quatrième de la quatrième carte et on prend la cinquième de la cinquième carte. Et vous voyez que les lignes dessinées sur les cartes nous donnent vraiment le fil à suivre pour avoir le message. Donc, il nous propose de l'utiliser comme ça, si on veut. Bien entendu, on peut aussi regarder les 5 illustrations. Rien ne nous en empêche de nous servir des 2. Moi, généralement, sur les oracles, je me sers à la fois des illustrations et du texte quand il y en a.
Ensuite, il nous donne donc un exemple d'interprétation. Puis, il nous parle des cartes vierges parce que dans cet oracle, il y a 5 cartes vierges, donc qui ont le même dos que les autres. Hein. Voilà, je vais prendre une qui n'est pas vierge et je vous montre. Et qui sont pour faire nos cartes personnelles, nos mots, nos messages personnels. Puisque Gabriel nous dit que il nous propose ces cartes-là pour nous permettre d'ajouter nos propres fragments de phrases au spectre des possibilités. Et on peut aussi, bien entendu, les illustrer. Bien sûr, il nous conseille d'utiliser un feutre indélébile et de bien laisser sécher avant de remettre dans le jeu, parce que sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Et il nous dit bien qu'elles nous permettent de marier notre univers personnel avec celui de l'oracle. Il donne comme exemple d'y intégrer des termes propres à nos activités ou à des univers qui nous inspirent. Voilà. Et il nous explique comment faire si on veut obtenir des messages dans un français correct. Donc, par rapport à comment lui, il a structuré les textes. Ensuite, tout ça, c'est concernant les cartes vierges. Ensuite, il y a utiliser le jeu comme un oracle. Donc, on peut l'utiliser comme un oracle conventionnel. On trouve des illustrations et des phrases de chacune des cartes. Et donc, on y trouve suffisamment d'éléments pour faire naître une interprétation. Il dit bien que le jeu se veut intuitif et que donc, on va y trouver nos propres connotations. Mais il dit aussi que si jamais on est un petit peu perdu, il nous propose quand même les significations pour chacune des cartes. Et vous voyez que, malgré que ça ne prend pas beaucoup de place, on a quand même énormément d'informations. Je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire. Moi, j'admire les talents de Gabriel parce que c'est un oracle qui fait 100 cartes. Vous voyez qu'il y a une introduction, il y a déjà plusieurs pages pour expliquer comment tirer l'oracle sur les cartes vierges. Vous avez là au milieu une double page, vous voyez que le petit livret est quand même relativement fin, que sur la dernière page, on a le code, que c'est écrit de manière lisible et malgré tout, il a réussi à mettre la signification des 100 cartes. Donc, moi j'admire son travail. Parce que c'est compact, mais complet. Donc, par exemple, si je prends la carte de l'aïeul, eh bien, il nous donne donc le titre. Le titre est en référence avec le premier mot. Il nous le dit que c'est le premier nom commun pour se repérer dans les cartes, puisqu'il n'y a pas de numéro et qu'il n'y a pas de titre sur les cartes. Et donc, celle-ci, il nous dit déjà, cette doyenne aux cheveux blancs, dont l'âge ne semble en rien entacher la détermination, symbolise la persévérance. Elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour se réaliser. L'usure n'atteint pas la véritable volonté de sagesse. La véritable volonté, pardon. La sagesse est sœur de l'expérience. Donc, ça, c'est un petit peu la description de la carte. Et il nous donne encore des pistes. Volonté d'indépendance, mère ou grand-mère, intégrité, deuil accompli, rancune tenace. Tout ça sur un petit paragraphe comme ça. Mais je trouve que c'est extrêmement riche. Et donc, je suis vraiment admirative de son travail, franchement. Déjà sur les autres jeux qu'il avait fait, mais franchement, celui-ci ne dénote pas du tout. Alors, on va maintenant regarder les cartes. Donc, je vais les mettre là.
Je vais les sortir de la boîte parce que sinon, ça va être un peu compliqué. C'est un gros paquet. La qualité est très très bonne. Je vais vous montrer ça. Et elle glisse très fort. C'est pour ça que je me méfie de ne pas tout faire tomber. Donc, la qualité, elle est excellente. Vous voyez qu'elles sont plutôt brillantes. Et elles sont du coup très très glissantes. Il n'y a vraiment aucun problème. Regardez ça. Ça glisse dans tous les sens. Il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est aussi le cas pour tous les jeux de Gabriel. Il nous fait des jeux d'une qualité exceptionnelle. Et ce jeu, en plus, est au prix, je pense qu'il ne fait même pas 30 euros pour de l'auto-édition. Donc, sur le site, vous avez le prix hors TVA. Ensuite, il ajoute la TVA. Et puis, vous avez encore les frais de port. Donc, en tout, vous arrivez un peu au-dessus de 30 euros. Mais pour un jeu de 100 cartes, dans une boîte en dur, avec cette qualité, moi, je ne sais même pas comment il fait non plus. Je suis aussi admirative de ce qu'il nous propose et des prix qu'il nous propose. Réellement, Gabriel, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et donc, on va regarder les cartes. Voici, je ne vais pas à chaque fois vous lire tout le texte parce que sinon ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Voilà. Ceci, j'adore avec cette coupe qui se brise, mais en même temps, on dirait que les morceaux restent quand même un petit peu ensemble. Et de toute façon, ça fait une lumière. C'est magnifique. Bon, elles sont déjà plus dans l'ordre parce que j'ai déjà regardé un petit peu. Je n'ai pas encore fait de tirage. Mais j'ai un petit peu regardé comment on faisait avec les textes. Puis j'ai regardé quelques fois. Mais de toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je pense qu'au départ, il arrive dans l'ordre du livret, donc par ordre alphabétique, par rapport au premier nom commun. Normalement, je pense. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les couleurs. Vous voyez, comme je vous disais, il fait très nature. Il fait féerique, mais pas toutes les cartes. Parce que ici, on n'a pas nécessairement... Ouais, ça peut être une fée, mais pas nécessairement. On peut y voir une mère et son enfant. Mais on a cette idée un petit peu de la forêt et de l'hiver. Alors par contre, ici, on est clairement sur une fée. Ici, on a un papillon, mais on a des arabesques. Il y a toujours des choses un peu cachées aussi dans les jeux de Gabriel. Donc, on peut y découvrir d'autres choses que le papillon. Celle-ci est flamboyante. Celle-ci, j'adore. Avec la serrure au milieu, comme ça, du museau, on dirait. C'est extraordinaire. J'aime vraiment beaucoup l'univers de Gabriel. C'est un univers très, très riche. Magnifique. Donc, il explique aussi à un endroit, je ne sais plus trop, ça doit être dans l'introduction, je crois, qu'il a travaillé avec aussi du photomontage. En fait, il fait des peintures, il travaille avec du photomontage pour réaliser au final la carte. Mais on reconnaît bien quand même son coup de pinceau, je dirais, hein, sa façon d'illustrer. Mais il retouche en fait ses œuvres avec l'informatique.
C'est sa façon de travailler. Elle est magnifique, celle-là. Alors, on a des cartes. Comme il explique aussi, il a choisi de faire des cartes en double. Mais bien entendu, elles ne sont quand même pas, elles ne sont pas identiques. Vous voyez, c'est le cas de cette deux-ci. On en a une jour, une nuit. Mais l'illustration de base est la même. Alors après, justement, il l'a inversée. Vous voyez, la couleur là, de la chevelure n'est pas la même. Vous avez des couleurs, des coloris qui diffèrent. Et donc, mais ce sont des cartes qui, éventuellement, peuvent, je pense, avoir une signification particulière si on les tire ensemble. Moi, en tout cas, je pense que j'en tiendrai compte si on les trouve face à face. Et vous avez donc le raccord sur la carte comme pour faire une seule scène avec la même carte. Comme mon jeu est mélangé, on ne va pas nécessairement toujours les trouver les unes après les autres. Par contre, parce que justement, j'ai déjà un petit peu regardé. En voici deux autres. Mais là, la scène, elle est un peu moins évidente. Mais quand même, si on la met comme ceci, on voit aussi le raccord. Et vous voyez, une dans le sable et une dans l'hiver. Une qui fait été, une qui fait hiver. Dans la neige, je voulais dire. Dans l'hiver. Voilà. C'est vraiment un jeu original. Je le trouve magnifique et d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et je suis ravie de l'avoir enfin entre les mains. Ça fait un moment qu'il est en fait sur ma liste, même s'il vient juste de sortir. Mais j'avais vu sur Facebook qu'il était occupé à faire ce nouveau jeu. Et j'avais noté le nouveau jeu de Gabriel quand il sortira sur ma liste. Parce que j'avais vu l'extrait d'une illustration, je ne sais plus laquelle, très honnêtement, je ne me souviens pas. Parce que ça fait des mois de ça. Et j'avais déjà trouvé tellement belle que je m'étais dit, bon, c'est déjà sûr que je vais le prendre. Alors celle-ci me fait penser un petit peu à l'ermite avec sa lampe. Voici encore une autre. Une, on pourrait dire qu'elle est double, avec jour-nuit. C'est très chouette, je trouve. C'est très très beau. Donc celle-ci n'est pas double, mais quelque part, on a un peu des similitudes de coloris. Bon, ça ne forme pas vraiment une scène. Mais on peut peut-être y chercher quand même des similitudes. Il y a quelque chose dans les personnages qui se ressemblent un peu. Celle-ci est magnifique. Vraiment magnifique. Elle m'impressionne, cette carte. Je la trouve très, très, très puissante. Ah ben la voilà, avec le feu. Donc là, on a le verre et on a le feu. On a la terre et le feu éventuellement. Magnifique, vraiment. On a évidemment des créatures un peu mythiques. Il n'y a pas que des fées. Hein. Donc voici, ça c'est une des cartes doubles. Donc là, il y a moins de différence de coloris. Il y en a un petit peu. Et il parle du sage et du sphinx. Il a tellement d'idées, Gabriel, je trouve. C'est un artiste à l'imagination foisonnante et qui arrive à nous mettre tout ça en forme, je vais dire, aussi bien au niveau de l'illustration que du niveau du texte. Son travail est vraiment exceptionnel. Moi, il m'impressionne. C'est quelqu'un qui m'impressionne, Gabriel, par son talent. Regardez celle-ci, c'est celle qui est sur la boîte. Elle est splendide.
Et donc, le dos des cartes, on a une plume de paon. C'est magnifique. Et on peut y voir d'autres choses. Ce que j'ai essayé de regarder un petit peu, moi, j'y vois comme une espèce de visage, mais plutôt de masque. Et ça reste une énigme, le dos, pour moi. Je vais peut-être y trouver encore d'autres choses. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher pendant des heures, mais je l'ai déjà regardé, observé assez attentivement et j'ai vu aussi cette espèce de masque. Une belle serpe. Alors, on a des cartes avec des fonds qui sont un petit peu semblables. Et là aussi, ça peut-être, dans un tirage, faire une certaine unité. Donc, c'est le cas de celle que je suis en train de vous montrer. Mais pas seulement. Un beau cristal aussi, ici. Et puis, un œuf. Et on a encore un parchemin. Donc, et on a encore le trèfle aussi. Donc, regardez, je vous remontre. Donc, ici, on a cette série de cartes avec ce même fond qui ressemble à quelque chose de en bronze, je trouve. Moi, ça me fait cet effet-là. On ne sait pas trop quoi, mais moi, ça me fait cet effet-là. Et puis, ici, on a le même fond, mais en bleu. Et on a de nouveau toute une série de cartes, mais en bleu. Vous voyez là, on a des anneaux unis, et puis là, ils sont désunis autour du serpent. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a des tas de choses à trouver dans cet oracle. Donc, toujours dans les cartes à fond bleu. Et comme vous voyez, les cartes, elles glissent très bien. J'étais obligée de les remettre ensemble. Le miroir. Un escargot, mais il nous parle de la spirale. Et une belle clé. À savoir que sur une carte que je vous ai montrée dans le début, il y a une serrure. À voir si quand on marie les deux cartes, on a quelque chose de... On va peut-être aller voir si je la retrouve. La voici. Bon, déjà, les coloris, c'est pas mal. Et donc, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? La magie... Ordinaire ouvre la voie vers le palais du merveilleux. Et le confident, fidèle à sa promesse, scelle tous les secrets pesant sur nos épaules. Donc peut-être qu'on a ici la clé pour ouvrir les secrets qui pèsent sur nos épaules. Peut-être quand les deux cartes sont combinées, on peut avoir ce genre de message. Donc celle-ci, elle est également sur la boîte. Je la trouve magnifique. Donc elle est là sur la boîte. Elle est très, très lumineuse, cette carte. Allez. Une carte très flamboyante. Un volcan en éruption. Qui contraste avec celle-ci. Alors là, avec une très très jolie fée, très douce. Et voici une fée en automne, alors que celle-ci est plutôt, je pense, en été. Moi, on ne parle pas vraiment de la saison, c'est le printemps ou l'été, puisque on a des fleurs, on a des feuilles, et puis ici, on a clairement l'automne. Alors, une belle carte d'abondance, avec une corne d'abondance, un beau soleil, des blés,
Là, on repart dans le domaine féerique, mais avec une figure masculine. C'est intéressant. Et puis nous avons les signes là-haut. Ah, celle-ci est magnifique. Le messager. Donc, ça fait un peu penser à la chouette d'Harry Potter. Hein. J'adore les cartes où il y a la chouette. Une abeille. Un beau renard. Ah, voici une qu'on pourrait mettre en rapport avec le renard. Même si ici on parle du familier mystique, mais ça pourrait être peut-être ce renard un peu plus. Un peu plus du monde invisible, on va dire. Hein. Plus peut-être l'animal de pouvoir, ou. Alors que celui-ci pourrait représenter le renard bien terrestre. On a même une licorne. Que demander de mieux? Et là, on l'a plutôt sous forme de Pégase. Une feuille qui vogue sur l'eau. Encore une belle fée. Ceci est magnifique. Ça commence par la beauté, donc elle est vraiment très très belle. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. La finesse des traits, c'est magnifique. Alors, celle-ci, elle fait le pendant à celle-là. Donc, avec. Ça, c'est la première carte dans le livret, celle dont je vous ai parlé. Et c'est très beau parce que ça peut aussi, si on a les deux cartes, ça peut parler d'évolution. C'est comme dans un autre jeu que je vous ai montré récemment. On peut y voir une situation qui évolue. On peut se voir nous à différents âges. On peut y voir ben, nous et des ancêtres à nous, hein, de la famille avant, dans nos ascendants, ou on peut se voir dans la personne plus âgée et voir ses enfants dans cette carte-là. Enfin, il y a tellement de possibilités. C'est vraiment super, je trouve. Donc, un joli sablier. Un rêveur. Si, elle est très très belle aussi. Elle me fait penser à une carte d'un autre jeu, mais je ne sais pas lequel. Mais je pense avoir dans mes jeux une carte qui ressemble un petit peu à celle-là. Mais je pourrais pas dire lequel. Je ne sais plus du tout. On a celle-ci aussi qui peut être mise en rapport. Donc encore une carte double. Donc la même illustration mais qui l'a traitée de manière différente. Vous voyez, une avec un livre, une avec un aigle. Or celle-ci est magnifique. Je vous disais qu'il y a des cartes qui faisaient très très nature, je pensais notamment à celle-ci. Alors celle-ci, de nouveau en double, plutôt jour-nuit celle-ci. Colosse.
un pèlerin. C'est chouette parce qu'on a aussi des énergies masculines. Donc j'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup cette silhouette ici qui apparaît. La silhouette animale qui apparaît juste à côté. Enfin, c'est pas vraiment une silhouette. Hein. Même, c'est un peu plus qu'une silhouette. C'est très, très beau. Le vieil homme. C'est si magnifique. Elle fait penser à la rose du Petit Prince ou à la rose dont la Belle et la Bête se trouvent. Elle est magnifique. Un beau cerf. Une fée. En tout cas, moi, elle me fait penser à une fée. Une barque, on dirait un peu une gondole. Ah ben la voilà sous le jour, nuit et jour. Alors celle-ci, quand je l'ai vue, j'ai dit ben voilà, je n'aurais même pas eu l'intention de prendre le jeu, que ben, je me serais quand même finalement décidé à le prendre, puisque il y a une flûtiste dedans, donc c'était quasiment obligé. Une danseuse. Alors, une espèce de château. Enfin, ici, c'est une tour. J'aime beaucoup quand Gabriel dessine ce genre... comment est-ce que je dirais, de bâtiment, de maison, de château. Ça dépend des jeux. Mais chaque fois qu'il fait une carte comme celle-là, c'est toujours... parmi une de mes cartes préférées du jeu. Et ça, depuis qu'il a fait l'absolu. Je suis fan de ces cartes quand il dessine des bâtiments. Comme ça, j'ai dire bâtiment pour que ce soit plus général, mais ça fait un peu... ça ne lui rend pas hommage, bâtiment, parce que... parce que c'est toujours tellement esthétique. Mais vraiment, à chaque fois, je suis toujours en admiration avec la carte sur laquelle figure la maison ou la tour ou le château, enfin, comme on veut. Et la dernière, qui est une carte sur la joie, avec une jolie fée ou dame, je ne sais pas trop. Donc voilà pour la présentation de ce très, très, très beau jeu, les glyphes de Féor de Gabriel Leroy, et je vais en profiter pour dans les prochains jours vous poster une vidéo avec tous mes jeux de Gabriel. J'attendais en fait, je savais que cet oracle allait sortir et je m'étais dit, comme j'avais quand même assez bien tardé à prendre le deuxième livre de l'Absolu, donc le nouveau livre qui correspond à la deuxième édition de l'Absolu, je m'étais dit que je ferais une commande avec les deux, ce que j'ai fait. Et donc maintenant j'ai tout de Gabriel Leroy et je vais pouvoir vous faire la présentation de ma collection complète de Gabriel. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé de ce jeu. On l'a déjà vu passer sur plusieurs chaînes et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et c'est amplement mérité. Moi, je vous dis à très bientôt pour justement la vidéo de présentation de ma collection de Gabriel Leroy. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.